C'est parti pour la troisième édition du Festival Sport, Culture et Arts Nautiques FESCAN 2023. Pendant une semaine, les populations de la commune de Souava vont vibrer au rythme des festivités de cet événement culturel et sportif dans la Venise de l'Afrique. C'est pour mettre la lumière sur les sports nautiques qui sont peu connus dans notre pays que nous avons créé cette activité avec l'appui de la fédération. La deuxième raison, c'est que pendant les vacances, il faut que nous donnions d'activités saines à la jeunesse. Et la troisième raison, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de son excellence Talon Patrice est en train d'investir massivement dans notre commune à travers le projet Réinventer Gambier, qui promet beaucoup de choses pour notre population dans le secteur de l'eau, de la santé, des infrastructures marchandes, j'en passe. Le thème de cette troisième édition n'est pas choisi au hasard. Il a le mérite de s'inscrire dans la vision du gouvernement qu'est de révéler le Bénin dans tous les secteurs. Il représente notre engagement envers la préservation de notre identité tout en ouvrant nos cœurs et nos horizons à de nouvelles expériences et rencontres. En tant qu'événement emblématique célébrant la richesse culturelle et nautique de la région, s'inscrit parfaitement pour la promotion du tourisme au Bénin. Je tiens à féliciter tous les participants qui se sont engagés dans cette aventure. Votre détermination et votre enthousiasme sont des sources d'inspiration pour nous tous. Il faut noter que la cité lacustre de Granvier, située dans la commune de Souava, accueille le FESCAN du 19 au 27 août 2023. Une initiative de l'association Granvier Sport Nautique qui vise la promotion des sports nautiques et la valorisation des peuples autochtones de la cité lacustre.